Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un méga haul d'Halloween, donc let's go! Avant de commencer la vidéo, je voulais préciser que je suis malade, donc ne faites pas attention. Donc voilà, on continue avec la suite. Voilà, on va commencer par des collants de chez Joyeuse Fête avec un peu de sang pour mon déguisement. On les a payés 4,99€. Oui. Ils sont très jolis, moi, je trouve. Ensuite, on a acheté du faux sang, donc toujours de chez Joyeuse Fête, pardon. Et on l'a payé 1,99€. Voilà. J'ai même mis à l'envers. Des fausses araignées pour faire un slime. Voilà, donc des fausses araignées que l'on a trouvées chez Jiffy au prix de 1,50€. Donc ça valait vraiment le coup. Ensuite, c'est Joyeuse Fête. On a aussi eu, c'est du maquillage blanc, voilà pour faire le visage. Vu qu'il n'est pas assez grand, celui-là qu'on a acheté dans la palette. Donc voilà. Ensuite, ça c'est chez Jiffy, je crois. Oui, chez Jiffy. Des faux yeux. Voilà, des faux yeux gluants. Donc, ils sont vraiment gluants. Voilà, et on les a payés 2 euros. Oui. Toujours de chez Jiffy, on a pris deux seaux pour faire en fait dedans du slime pour essayer. Ça sera pour nos prochaines vidéos. Voilà. Et on les a payés 76 centimes l'unité. Voilà. Ensuite, on a pris un déguisement. Donc, c'est un autre déguisement. Donc, c'est à moi. Voilà, donc, c'est un déguisement pour Luna. C'est la sorcière. Et c'est une sorcière. Voilà, et on vous mettra des photos. Et on l'a payé 12 euros, il me semble. Oui, il me semble. Ensuite, on a acheté chez Action une perruque pour maman. Voilà, une perruque violet et noire. Et on l'a payé, il me semble, 3,99€. Oui, il me semble. Donc ensuite, on a acheté un petit kit de chez Amazon. Donc c'est un kit de maquillage pour enfants et on l'a payé 15,95€. Et aussi, il y a quelques petits maquillages pour Halloween, pour les fêtes d'anniversaire. Voilà, on peut s'en servir pour toutes les occasions. Ensuite, le déguisement de maman, donc c'est une sorcière toute simple, noire. Voilà. Donc elle va mettre la perruque avec. Oui, je pense. Et je l'ai payé 7 euros le déguisement. Et sur... chez Kiabi. Ah oui, chez Kiabi. Ensuite, nous avons de chez Action. C'est un petit truc. Vous savez, c'est les pierres tombales là. Et voilà, c'est en polystyrène, on l'a payé 1,50€. Et les yeux s'allument. Voilà. Voilà. Ensuite, les deux déguisements de mes frères pour Halloween. Donc il y en a un qui sera un vampire. Il est très joli. Hein. Ouais, il est très joli. On l'a eu chez Kiabi également, comme le déguisement à maman et à Luna. Oui. Et je l'ai payé 6 euros. Et un petit diable. Et un diable, voilà, pareil, 6 euros, quelque chose comme ça, sur le site de Kiabi. Ensuite, mon autre déguisement que je vais mettre pour Halloween. Parce que il y en a un pour les vidéos Halloween. Voilà. Alors, et ça, c'est un préféré à Luna. Oui, donc c'est la Pom-Pom Girl que je voulais sur Amazon, mais elle était trop chère. Du coup, à Joyeuse Fête, elle était moins chère. Elle était à 12,99€ chez Joyeuse Fête. Voilà. Et du coup, ça ira avec les collants. Que l'on vous a montré juste avant. Oui, et avec mon serre-tête de chez Action. Voilà, le serre-tête coûte 60 centimes. Voilà, donc ça ira bien comme ça. Ça sera parfait. Ouais, parce qu'il y a plein de sol aussi. Donc voilà, c'est bien ce déguisement. Maman toujours a pris aussi un petit serre-tête avec des fleurs et des petites têtes. De mort. Voilà, trop bizarre. Et on l'a payé 60 centimes chez Action. Moi, tu peux le mettre si tu veux. Je vais mettre l'autre. Je suis plus belle avec les nœuds.
Ah, il te va bien. Ouais. Ensuite, chez Action, nous avons pris un kit, un deuxième kit de petits maquillages. Voilà. Et on l'a surtout pris pour les petits crayons. Parce que maman n'en avait pas et elle voulait l'avoir. Voilà, et puis comme ça, ça nous fait durable et c'est pas exactement les mêmes coloris, ils sont un peu plus foncés, donc c'est pas plus mal. Et on a payé le kit 1,50€, quelque chose par là. Et comme ça, on aura plein de blancs. Voilà. Ensuite, chez Action, nous avons pris deux bombes pour mon déguisement d'Halloween. Donc pour les bombes pour les cheveux. Voilà, parce que je vais me déguiser écart les queues de la tête et avec le déguisement que vous avez vu. Donc en rose. Et en bleu, comme les couleurs d'un récuit. Et on les a payés 1€, quelque chose comme ça, l'unité. Ensuite, à Carrefour, nous avons pris de la gouache orange pour faire un slime. Voilà. On l'a payé 1,50€. Oui. Et de la colle Cléopâtre, comme. Qu'on a payé 2,40€. Oui, et comme la petite épicerie. Voilà, et on voulait prendre des gros bidons, mais il n'y en avait pas, donc on verra la prochaine fois. Ensuite, nous avons pris plein de fils à gagner. Donc, on en a pris 4 en tout. Et ça se présente comme ça. Et il y a 6 araignées, il y a 6 fois une araignée dans chaque paquet. Donc, ça fera 24, je crois. Et ça coûtait 60 centimes l'unité. Voilà, donc on en a pris plein pour notre déco. Ensuite, on a pris. Ok. Des petites araignées. Un petit peu plus grosses, celle-ci. Voilà. De chez Joyeuse Fête, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et on les a payés 1,99€. Et celui-là, on ne mettra pas dans le slime, mais en déco. Sera pour la déco. Voilà. Donc, ils sont très belles. Ensuite, on a pris. Une petite lanterne comme ça, donc elle ressemble à ça de chez Action. Ouais. Et on aimait bien les couleurs, très Halloween, et on l'a payé 60 centimes. Et elle était très belle. Voilà. Ensuite, nous avons pris chez Action des gants comme ça pour faire un challenge avec les gants. Voilà. Là, on a 10. 60 centimes les 10. Ensuite, nous avons une guirlande avec plein de chauves-souris. Il y avait aussi des squelettes. Il y avait des squelettes, des têtes de mort, il y avait des fantômes. Nous, on a bien aimé le coloris violet, c'est la couleur préférée de Luna. Oui. Et on a payé ça 2,65€. Donc, ça voulait vraiment le coup. Ensuite, bon, on est un peu pas Noël, mais on a pris chez Action deux bandeaux de Noël parce qu'on les trouvait trop cute. Et comme ça, on les mettra dans nos vidéos de Noël. Parce qu'on avait peur qu'à Noël, il n'y en aurait plus et tout. Donc, on les a pris en avance. Ils sont trop choux. Donc, il y a un petit bonnet de Père Noël. Comme vous avez pu le voir, j'adore les serre-têtes. Du coup, on en a pris plein. Et un petit sapin de Noël. Qui est trop chou. Et du coup, je vais les essayer. Et on a payé les serre-têtes 1,60€ l'unité. Donc je vais les essayer. Vous allez me dire lequel vous préférez sur ma tête. Le petit sapin Noël. Attendez, je vais m'abaisser. Voilà. Je sais, vous avez vu. Et on attend la cloche. Le petit Père Noël. Le petit bruit Père Noël. Alors, quel est le serre-tête que Luna portera dans les prochaines vidéos? Lequel est votre préféré? Et le dernier serre-tête, donc je vais l'essayer. Tu l'as mis à l'envers? À l'envers. Ah, il est trop beau celui-là. Ce sera maman celui-là. Et le dernier article à Jiffy, c'est. Donc c'est un truc pour dès qu'on revient d'Halloween, on met tous les bonbons parce que l'année dernière, il y avait au moins une grosse casserole remplie. Voilà, on n'avait pas assez. Elle débordait quoi. Du coup, On mettra les bonbons dedans pour donner aux enfants qui viendront sonner à la maison. Oui. Et ensuite, on mettra tous nos bonbons récoltés dedans. Et, dès que et on se mangera tout ça devant la télé.
devant un film d'Halloween. Non, pas tout, bien sûr, mais on en mangera un petit peu devant la télé. Et les enfants qui ne sont pas venus et qui ont encore des bonbons, on les mettra avec les autres. Donc voilà, il y a des mains. Regardez. Des mains en squelette. Donc, bah, c'est bon, mais il y a beaucoup de choses, hein. Et vous, est-ce que vous avez commencé à faire vos achats d'Halloween? Dites-le nous dans les commentaires. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous.